Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un prix, wesh. Mais j'ai tourné là, j'ai mis la caméra, je suis parti boire de l'eau 2 minutes. Le mec il est déjà en train de faire comme chez lui. Non, mais je savais pas, mais vas-y. Non, mais c'est pas le moment, je suis en train de tourner. Tu imprimes quand je termine une face cam. Vas-y, ah ouais, il fout le seum, il allume. Voilà, maintenant pour l'éteindre, ça va être un fiasco. M'a fatigué, j'ai même pas commencé la vidéo, je suis énervé. Le chauffage de ma chambre il marche pas. J'ai trop froid, c'est mort. Voilà. Face cam en doudoune, jamais vu ça. Enfin bref, j'espère que vous allez bien la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, il n'y a pas de vidéo pendant les mardis, comme je le répète et j'arrête pas de le répéter, je suis en train de préparer autre chose à côté. Rendez-vous le 31 décembre, le 31 décembre, c'est un mardi, ça tombe très bien. La vidéo d'aujourd'hui, comme son nom l'indique, c'est sur le froid, l'hiver, toute la grisaille. De décembre jusqu'en mars, on va mourir. Juste avant de commencer, je voudrais faire une classe dédiée. Ouais, à la 5ème D du collège Georges Brassens, ça se rend. Ouais, la famille, on est ensemble, des dédicaces, même à des classes maintenant. Là, c'est toute la famille, Eya, Ahmed, Ayoub et Emine, Ichiri de la Seine-sur-Mer, Younes Damani d'Armon, Aruna Traoré de Romainville, et pour finir, Rihanna Johari de Madagascar. Merci. C'est la famille, ça fait plaisir. Comment je vais faire pour tourner cette vidéo? J'ai chaud. Alors sujet numéro 1, ça va s'adresser aux parents. Pourquoi vous nous faites des plats comme ça en hiver? Vous nous aimez pas? Allez, venez manger, venez. Tiens, je mange de la soupe. De la soupe? Pourquoi de la soupe? Oui, tu manges de la soupe. Il y a un problème? Non, non, non. Voilà, assis-toi. Pourquoi de la soupe? T'es tout petit, t'as pas de vitamines, t'es mort, on dirait un mort vivant. Il a pas grandi, on dirait il a la crèche. Je te rappelle que t'es au collège. Ne touche pas, sinon je te boxe. Ne touche pas. Oui, je les soupe. Oui, moi quand j'étais petit comme toi. Déjà grand. Mais c'est dégradé, mais ferme ta gueule. T'es le bon pas d'envers, t'es le bon bas. Bouffe la soupe, bouffe la soupe, bouffe, bouffe la soupe. Non mais moi j'ai compris, de toute façon dans cette baraque on mange que du liquide. Oui oui, on mange que du liquide. C'est un problème. C'est quoi, au dessert? Oui, au dessert c'est du liquide. Voilà, je vais faire du thé. Elle m'a tué avec le liquide. Que du liquide. Je me demande pourquoi j'ai la diarrhée. Rien à foutre. Voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Je s'affiche. Oh, il s'affiche. Je suis gêné, j'ai envie de vomir. Ma famille, ma vie. Ah ouais, non mais les produits liquides, ça va 2 minutes. Qu'est-ce que ça me saoule. J'aimais bien la soupe quand j'étais petit, mais ça y est, overdose. Par contre, pour les petits qui regardent cette vidéo, si vous voulez grandir, oui, il faut manger de la soupe. Ma mère m'a dit ça, mais j'ai pas grandi, j'ai grossi. L'élément indispensable quand il fait froid, à votre avis, c'est quoi? Une doudoune. Et j'ai fait des sports pour garder la ligne. J'ai fait des sports, j'ai musclé les bras. Quoi? J'ai trouvé des... Balenciaga. Des manteaux, je vais ramener ça à mes enfants. J'ai trouvé des manteaux. J'ai ramené des cadeaux pour mes enfants. Car je les aime. Comme les poubelles. Oui, voilà. Oui, les doudous. Balenciaga. Oui. Ta gueule, pose pas des questions. Wesh, pourquoi il y a écrit Camailleux dessus, papa? C'est une collaboration. Wesh, j'ai écrit Balenciaga sur ça, tu me ramènes des doudounes claquées comme ça, Camailleux. Ta gueule, il est jamais content. Cette doudoune, en plus, c'est une doudoune pour femme. Alors, t'as ramené quoi? Balenciaga, papa. Ah ouais, t'as percé. C'est pas Balenciaga. Regarde, allez hop. De la veine? Oui, c'est une collaboration avec Balenciaga. Tu joues à quoi? De la veine, frère? Il est jamais content. Moi j'arrête de parler de la veine, C'est la mode. Pourquoi c'est petit? Pourquoi c'est petit comme ça? Ça se porte petit. C'est de la vie. Genre j'ai passé l'hiver avec ça. C'est de la mode. Mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes? La mode, de quelle mode tu pars, frère? Tu nous ramènes des doudous, je sais pas d'où tu les as ramenés. Merde, tu connais rien dans les modes. Oh, je suis choqué, j'ai vu ce sac dehors tout à l'heure. C'est quoi cette doudoune pour meuf que t'as ramené pour le hein? Tu m'expliques? Il ramène les sacs de la poubelle, les sacs des gens. Clochard. Mais enlève tout de suite. Enlève les doudounes, tu les descends, je les descends en bas. Ah, je savais. C'est pas parce que je t'ai trouvé dans la poubelle que tu ramènes les affaires des gens à la poubelle. Oui, j'ai trouvé les vêtements dans la poubelle. Parce que vous êtes tous des ordures. Des poubelles humaines. Mais des ordures, c'est toi l'ordure. Mais vas-y, dis de la dé. Vas-y, moi j'arrête de parler avec toi. Je suis choqué. J'arrive, je voulais boxer non-stop. Elle veut boxer, c'est pas une femme. C'est Mohamed Ali. Quel respect. Donc moi tu me ramènes des vêtements qui ont été jetés. On en parle du soleil en hiver. C'est pas parce qu'il fait froid que le soleil doit rester 2 minutes. Vite, va chercher l'oasis. On sait jamais, il va faire nuit. À tout moment on peut se retrouver dans l'obscurité. Wesh, c'est quoi ça? C'est une dinguerie, il fait déjà nuit. Ah vas-y, non, ça me soulève, j'en ai marre moi de ce temps. On est rentré, il faisait jour, on ressort, il fait nuit. C'est quoi ça? Il est 8h30, lève-toi, il est 8h30, c'est la nuit. Oui, c'est la nuit, mais on est décalé. Y'a pas de soleil en hiver. Lève-toi. Lève-toi, il fait nuit, on dirait il est minuit. Non, il est 8h du matin. Voilà, on est en retard. Lève-toi, vite, va te laver. Moi, je vous dis la vérité, mais l'hiver, ça me déprime. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu te réveilles, il fait nuit, tu dors, il fait nuit. Wesh, y a du jour quand? Même quand je tourne, à 16h, je dois finir les tournages, parce que sinon, foutu, y a pas de vidéo. Est-ce que quand vous étiez petit, votre mère a forcé comme ça? Ah ouais, non, ça m'insupporte. Ça me saoule. Attends.
Sors, tu vas où? Tiens, tu sors pas comme ça. Cache-cou, il est banné. Ah, le banné. Tu donnes la colle. Cholestérol, tu prends toi aussi. Ça sert à rien. Si ça, ça sert, je vais te boxer quand que ça sert à rien. Ah, il fait moins 10. Il fait moins 10 dehors. Moins 10. Tu tombes malade, tu vas voir. Allez, vas-y. Ça, allez, vas-y. Allez, tu te casses. Rien. Tu te casses. C'est fou, sérieux. Il y en a un, il ramène un rhume. Je le casse en deux. Se camoufler, frère. Dis, on va au pôle Nord, wesh. On va pas mourir. Allez, go. On peut le sortir sans les branler, sans rien. Clément. Oh, je suis choqué. Ils m'ont mis des couteaux dans le dos, ils ont laissé les branler par terre. Mais allez. Il tombe malade. Attends, tu vas voir. J'ai rien à foutre. Je les soigne pas du tout. Je les laisse crever. 1 hour later. Après, il est bon. Ah, t'as mal à la gorge. Crève, j'ai rien à foutre. Crève, bienvenue pour toi. Non, s'il te plaît, on est malade, s'il te plaît. On m'aime, j'ai le médecin intensif, lui, là. Moi, je t'emmène chez le médecin, mais tu rêves. Même tu meurs, moi, je t'emmène pas. Crève tout seul dans ton coin. Allez, va là-bas, casse-toi. J'ai pas de mutuelle, j'ai pas la CMU. Tu crois que je vis ça quand on consultation? Même si tu meurs sur place, je t'emmène pas. Va, va dans ta chambre crevée comme un chien. J'ai préparé les cercueils et les bougies pour votre mort. Les bonnets élégants, c'était ma phobie. Je détestais. Oh, ça me saoule. Quand j'étais petit, si je pouvais sortir en t-shirt en hiver, ah, je sortais en t-shirt, je m'en foutais. Et vous avez vu, quand il y a une personne malade chez vous, c'est vraiment la personne la plus détestée de la famille. Ça me tue. Bonjour les enfants. Oh, malade. Oui, je suis malade, mais dis-moi pas mourir. Viens, viens, un bisou. Oh, madame, oh, je suis choqué. Il y a la purge, elle est arrivée, elle est de retour. Au secours. Ben, moi, je suis un purge. Je suis pas contaminé, je vais mourir. Dégage. Clochard, elle me respecte attends, pas. Attends. C'est qui l'a mis dans ce verre? J'ai des jures, c'est pas moi. Clochard, il va nous contaminer ici. J'ai rigolé, j'ai déjà mis dans ce verre. Clochard, il va contaminer, mourir. Je vais me transformer en vampire. Ah, je suis choqué. Je vais me boxer, je vais me marrer. J'ai porté plainte, homicide volontaire, c'est moi, je vais me tuer, je vais m'assassiner. Ah ouais, non, sérieux, trop contagieux. Tu viens me filer tes microbes? Loin de moi, s'il te plaît. Loin de moi. Alors, la base en hiver, ça c'est la base. J'ai acheté la machine cette année. Oh, c'est la raclette. Mets-moi une boule de thé en fait, s'il te plaît. Attends, tu permets? La raclette, ça faisait longtemps que je la mangeais. Ma mère, c'est ta phobie, la raclette. Ah ouais, j'espère vrai, vraiment qu'elle va pas rentrer maintenant. Je pourrais jamais faire une raclette si elle m'a marché. Ah ouais, elle aime pas? Malade d'odeur. Bon appétit. Bon appétit. Tellement good. Pourquoi ça sent cramé? Mange. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis choqué. Maman, il y a rien, je te jure, on est en train de faire un truc à manger. J'ai fait un raclette, ça. Il faut que il y a du porc sur la table. Ah, ça c'est pas du passé. Marine Le Pen, elle va remporter les élections. Voilà, je suis choqué. C'est pas du porc, c'est du poulet. Mais je vous jure que c'est pas du porc. C'est halal. On devrait vraiment goûter. Va voir ma mère, essaye de la convaincre de venir au moins manger un petit peu. Moi, je vais me cacher parce que si elle me voit, elle va péter les plombs. Ok, vas-y. Ne touche pas, Je vous jure que tout va bien se passer. Allez. Goûter quoi? Du porc? Non, c'est pas du jambon. Choqué, vous me tuer. Moi confiance, venez goûter. J'aime pas les charcuteries, j'aime pas les charcutiers. Je vais vous faire fondre du fromage, regardez. Tout va bien se passer. Au moins mangez que le fromage et la pomme de terre. Tenez, vous allez bien croustillante. Hein. Hop là, et un peu de jambon. Ah, c'est choqué. Elle a rien compris, la jette, c'est ma vie. Voilà, papa, il mange. Voilà, mange la part. Elle va mourir, elle est bête. Ouais, bien bête. J'aime mieux celle de ma vie. Eh, la raclette, c'est trop bon. Moi, je kiffe. Par contre, attention, ça fait grossir. Bonjour les kilos. Moi, ma mère, tu la tues. Elle mange pas une tranche de jambon. Même si c'est halal, même si c'est du poulet, c'est mort. Elle peut pas. J'ai dû négocier pour l'acheter, moi, la machine. À la limite, le cashier, mais c'est pas sûr. Attention, chez moi, y'en a qui sont privilégiés. Attention, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que vous avez? J'ai malade, j'ai mal partout. J'ai la grippe. Là, quand je vous touche comme ça, ça vous fait mal? Oui, j'ai mal partout. Mettez-vous sur le côté pour que je voie. Je vais essayer de vous ausculter un peu. Allez, vas-y, on sculte. Doucement. C'est qui? Je suis choqué. Ma femme, elle m'a trompé. Ouais, qui c'est ce petit idiot là? Alors là, je m'attendais pas du tout. Les gars, qu'il arrête de raconter n'importe quoi là. De là à me dire que je sors avec une femme, faudrait se calmer. T'as pas honte? Moi, je te trompe. Ferme ta gueule. Je suis choqué, c'est lui, il m'a rendu malade. Choqué. C'est lui, il m'a rendu malade. Voilà, je respecte beaucoup ma femme, mais de là à dire que je suis avec, on n'est pas encore à ce stade là. Je vous le dis.
m'afficher, je vais le boxer. Mais j'ai pas de force aujourd'hui, je suis malade. Mais du coup, je suis choqué, les barbes, elle veut tout dire. Pas ce que tu me dégoûtes. Oui, franchement, je pense que vraiment que vous avez besoin d'une consultation. Tu vas pas m'ausculter, j'ai m'enfuir. En charge de détresse, c'est lui qui va bousiller ma santé. C'est lui, c'est lui. Genre, là, rien qui vous choque. Le médecin, il arrive à la maison, normal, tout va bien. De toute façon, même si on meurt, ils ramèneront pas de médecin à la maison en fait. Ça c'est clair et net. Tu crées, y'a pas de médecin qui vient, tu te déplaces. Tu fais un bruit, beaucoup pas possible, tu te dégages. Qu'est-ce qui t'a pris de venir à mon armoire? Insupportable celui-là, je le déteste. Et puis voilà la famille, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Non mais franchement, qui aime l'hiver ici? À part ceux qui kiffent le ski et tout, bon je comprends. Ceux qui vont au ski tous les ans et tout, je comprends, vous kiffez. Mais sinon, si tu vas pas au ski, c'est kex. En tout cas, s'il y a des gens qui vont au ski cette année, dites-moi, je viens vous rejoindre. T'inquiète, je vais skier avec vous. Pour 2020, je compte vraiment vous faire plaisir. Je l'annoncerai de façon le 31 décembre. Pour les dédicaces, comme d'hab, nom, prénom et ville où vous habitez, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram. J'ai eu 25 ans, dans 5 ans j'ai 30 ans. Non, voilà, ça me déprime. Ça me déprime, vraiment ça me déprime. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Je compte sur vous, merci beaucoup l'ami, on est ensemble, ça bouge pas. Ciao !